On a tous une sonnerie de téléphone qui nous réveille chaque matin et qui nous casse la tête. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que vous utilisez pour vous réveiller? Moi, c'est iPhone de base, iPhone basique, mais vous utilisez quoi? Donc j'ai demandé à mon chat Twitch de m'envoyer leur sonnerie de téléphone pour voir un peu de quelle manière vous vous réveillez chaque matin. Et il y a des dingueries, mais vraiment vous êtes des psychopathes en fait. Donc n'oubliez pas, si vous kiffez la vidéo, pouce bleu, commentaire, abonnement et abonnez-vous surtout, on est quasiment à 200 000 abonnés, donc let's go! Alors... sonnerie de Crix. Après, vas-y, je vais pas l'insulter. J'ai une alarme JJK, frère. Allez, il se croit dans One Piece. Ça y est. Si vraiment il décroche, il fait catcha, j'ai envie de le frapper là. Mary, Fairy Tail. Genre, hey, carrément, il se réveille, il fait ça. Tu sais, il se réveille comme un zombie et il fait ça direct au réveil. Oh là là, je vais péter un câble. Oh là là, carrément, tu te réveilles, t'as une quête, frère. En vrai, si, quand je mets ça et que je me réveille, t'as Lucie à côté de moi, je la mets tous les jours. Réveil de Alfie. Non, mais là, tu vas mourir, là. Moi, mais comment tu te réveilles avec ça? Gome, Hamanai. Olewa, nani monai. Olewa, tsuto, sane. Non, mais ça y est, frère. Moi, je vais au paradis avec ça. C'est une mélodie, ça, je m'endors carrément. Ça, c'est une veilleuse. Il a pété un plomb, lui. Carrément, je vais pas à l'école, là. Darkus. C'est quoi ça? J'ai la meilleure sonnerie de France. Rasoul, décroche! Mais qu'est-ce que t'attends? C'est dingue. Voilà, voilà. Moi, je pense qu'il y a un gap de génération. Je pense qu'à partir d'un moment, je sais pas comment expliquer en fait. Il y a un gap de génération où en mode, je pense que les petits aujourd'hui, comme Darkus, hein, c'est trop gênant, frère. Mais genre gênant en mode. Ça me coupe en dessous là, je peux pas. Réveil de Napoléon. Mais déjà, quel malade mental met une sonnerie Five Nights at Freddy's? Jure, Dora d'euros sur Apple Music. Elle a payé. Attends. On a quelqu'un qui a payé pour une alarme. Attention, on va écouter ça attentivement. J'ai pas les mots. C'est quoi cette dinguerie là? Non, j'ai pas les mots. C'est quoi cette alarme de Golemon là? Deux balles pour ça. Non mais Dora, au lieu de m'offrir un sub, faut pas payer 2 balles cette merde. Non, c'est grave. Moi, je trouve ça très grave. Nino. Oh putain, c'est forcément de la merde. Et comme ça. Ah oh, oui, putain. Ouais, je suis au bois. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on aime ça coûte. Oh, on va mettre des ailes parce qu'on est des gros suceurs. Alors clairement, c'est top tier. Mettez sans réveil, top tier. Mettez ça. Moi je pense que Témi, il a envie de sucer ma... Vraiment, mais comme il est en couple maintenant, il... C'est compliqué. Mais tu vois, l'extrait, il le prouve. Hein. Yota. Salut, c'est Blaise Matuidi. Je crois qu'il est l'heure. Allez, on se motive. Ici, c'est Paris. Allez, on se réveille. Allez debout, assez dormi. La journée commence. Allez debout, mon ami. On s'active. Allez, champion, on se lève tôt. Il est là. Allez debout, mon ami. On s'active. Allez, on se réveille. Go. En vrai, la sonnerie, elle est très, très drôle. Mais moi, ma question, c'est... j'espère qu'ils ont été bien payés parce que vraiment... Oh là, c'est la honte. Bon, c'est quoi, c'est... La sonnerie, elle est exceptionnelle. Melio. Vas-y, les bandes d'Inazuma Eleven. Mais moi, j'adore Inazuma. Hein. Vas-y, se réveille avec ça. Ça y est, c'est bon. Faut grandir. Ça y est. Alors, je sais pas, sors dehors, va taper dans un vrai ballon. Mais 2 sonneries, ça dépend des jours. Ok. Le mec, il se réveille, no enemies. Voilà, maintenant ma question c'est, est-ce que tu te réveilles vraiment avec cette alarme? Mais en fait, là je me rends compte avec ce concept, c'est qu'en fait, tu te dis, mais jamais quelqu'un va utiliser ce son pour se réveiller. Bah si. How can I be homophobic? Christmas day. I'm trying to indulge in that, and my great. Bah ouais, Central C, c'est lui qui m'a piqué le son. Hein. De base, c'est moi je l'avais fait, en une nuit hein, en plus. Et il m'a piqué, il a même pas payé les droits d'auteur cet enculé. Fragile. Toi c'est sûr tu t'es branlé devant le film One Piece Red.
Quand t'as vu Utah, tu t'es branlé, c'est sûr. Une fois, deux fois, ce genre d'alarme, genre mode des openings d'anime et tout ça, ou autre musique, vas-y. Mais après, oh, tu fais une overdose, tu pètes un plomb. Réfi, oh, j'ai pété un câble. Et une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je lui donne des coups de queue, je lui donne des coups de queue, je lui donne des coups de queue. Moi, ma question, c'est est-ce que t'as des parents ? Moi, mon fils, il a ça comme alarme, c'est que j'ai raté mon éducation ou que je l'ai pas éduqué. Là, c'est, on est dans le prime de, du dégénéré, là. C'est une dinguerie. À coup. Ah ouais, carrément, c'est un remix de Dr. Stone, carrément. Mais en vrai, elle fait un thème réveil, genre en mode, tu sais, le Ohio, Sekai, tu vois, c'est, tu vois, tu te réveilles genre en mode bonjour le monde et tout. Non, ça pue la merde, ça pue la merde. Rulian. Attends, mais y'a un problème là, le son, y'a un problème de son. T'as rec ton écran. Mais pourquoi on dirait que t'es en haut-parleur là? Ouais, il est ghetto ton réveil, frère. Oh, t'es... Ah, parce que peut-être qu'il s'est pas enregistré. Et du coup, il a filmé avec le téléphone, avec le dictaphone. Je suis matrixé. Non, mais lui, en tout cas, on pourra pas lui enlever. Il se réveille, il est de bonne humeur, il a envie de se taper direct. Oh putain, ça nous a coupé, fait chier. Oh non, t'aurais dû laisser la suite, frère. Non, par contre, ça faisait très longtemps que je l'ai pas écouté, l'opening de DB, super, et bah vraiment masterclass, hein. En vrai, en fait, c'est comme j'ai dit, en fait, c'est que c'est cool pendant peut-être, allez, une semaine, deux semaines, max, allez, vas-y, max deux semaines, et au bout d'un moment, tu fais une overdose, tu changes de réveil, en vrai. Un réveil bien épicé, Jasprit. Eh, j'avais, hein. J'avais, t'es indien, forcément, tu mets une musique indienne. Mais par contre, c'est quoi ce réveil de merde, frère? Moi, je m'endors, frère. Oh, même pas, je l'entends même pas, le réveil. Moi je pense que t'aurais dû mettre la musique Pardon. Suivant, Hugo. Mais en fait tu me rends compte, vous êtes dans une autre planète. Genre moi on me vannait parce que j'avais l'arme iPhone de base. En mode j'ai le skin de Steve dans Minecraft. Mais vous, je sais pas décrire en fait. Oh mais non. Eh là pour moi c'est pas une alarme de base hein. Ça c'est une alarme je mettais dans mes live réveil là. C'est là je deviens fou là avec cette alarme. Oh le dégénéré. Quoi ça? C'est Aisho Speed qui a envoyé la vidéo là. En plus je l'ai vu tout à l'heure là. Tu te réveilles comme un kleps. Genre tu dors dans une niche. Genre t'as bien coup de caresse le crâne et tout là. La deuxième. Non, pour moi ceux qui mettent cette alarme là, vous aurez la calvitie. Bah par exemple Femi, il a cette alarme là, bah voilà. Kaori. Non mais vas-y, va te faire foutre lui dans un edit, lui. Y'a Akari, frère. Ça y est, tu te réveilles, ça. T'es dans un edit, frère. Bro, he think he's in on the edit. Oh, l'anglais atroce, frère. Quand la pire, pas de l'autre. 7-0-4-1-124, la réponse pour le Sphinx. Si tu ouvres la chatte, tu te commandes ton. Tu le sens quand je rappe que j'ai le truc. Tu le sens, mon bras dans ton huc. Bon c'est trop long après, ça y est. Non aussi moi j'ai découvert un problème les gars. Et je pense qu'en fait je vanne souvent la génération TikTok. Mais en fait je fais partie de cette génération en fait. Bah oui connard. C'est à dire que maintenant je me lasse trop vite. T'as vu là, ça y est une minute j'en pouvais plus. C'est pareil quand je mate une série. Maintenant j'ai toujours envie de faire 10-10-10. Même une vidéo je fais 10-10-10-10. J'ai plus de patience. Réveil de Raven. Mais en fait, pourquoi vous mettez des musiques avec des trucs doux? Genre moi, pour moi, un réveil, il faut un truc... Oh, ça te traumatise presque. Non. Mais moi, je pense que Raven, t'es déscolarisé. Moi, je pense que tu vas pas à l'école. Vous mettez des réveils comme ça, tu vas pas à l'école. Non, sinon, tout le matin, tu rates le bus, toi, c'est sûr. Ma sonnerie de réveil. Attends, 6 minutes.
Réfi. Mais voilà. En fait, elle est très bien, mais la fake, elle dure un peu trop longtemps. Genre, il faut une fake de genre, allez, 10-15 secondes, et d'un coup, tu bombardes. Là, c'est trop long, là, tu vois. Un réveil pour être en harmonie avec la nature. En vrai, elle est pas mal, elle est bien. Elle est bien. Genre, c'est un petit clin d'œil au début d'épisode de Jojo Bizarre Adventure partie 4. Pas mal en vrai. Je me réveille avec ça le matin. Au moins, je suis pas aigri. Et ma question, c'est est-ce que tu te réveilles même? Alors, Masterclass, oui, mais il où le réveil? Le but là, c'est le réveil. Par contre, c'est doux. Mais clairement, c'est pas avec ça que je vais me réveiller. Yu Yu Hakusho, OST romantique, masterclass. Là, pour moi, c'est un truc qui me permet de m'endormir, là. Masterclass. Mais pour un réveil, compliqué. Oh l'audio. Non, t'as pas respecté. On dirait la vieille radio de mon grand-père. Pélé. Non, en vrai, quand on te téléphone, ça c'est banger. Mais genre pour te réveiller, bon. Attends. Il tape de ses mains là. Genre là, l'enregistrement, on t'a cramé, frérot. Genre même lui, il tape de ses mains là. Il s'ambiance. Il enregistre, il s'ambiance. Oh le malade. Pour le coup, c'est original. Mais attends, c'était vraiment à l'Eurovision, ça? Superman Eurovision 2022. Oh putain. Dragonfly, c'est van. Mais non. Ouais, mais avec ça, j'ai même plus envie d'aller à l'école. Là, moi, juste rester dans mes rêves et rêver d'un monde shinobi, là. Voilà, devenir un ninja, je lance des katon, des raiton. Oh non, il a coupé au dernier moment. Non, avec ça, il y a moyen de se réveiller en bien. Genre, tu te réveilles, t'es motivé. Arfea. Forcément, un son gobelin, ça. Ça pue la merde. Alors, ce mec, c'est un énorme psychopathe. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était le son dans Re:Zero. Voilà, dès qu'il se passait un mauvais truc. Atroce. Toi, t'es vraiment un psychopathe. Je pense avec ça, je peux me réveiller, ouais. Ah putain, j'ai pas reconnu, ça vient d'où le son, là? Ah ouais, lui, il a le stock, hein. Eh, B. C'est forcément un singe. Darkus, encore. Ah, il a changé. Hein, chérie. Tu vois, Darkus, c'est pour ça que t'as pas de meuf et t'as pas de cheveux. Tu nous mets des dingueries comme ça, là. C'est ça ton problème. Oh, le vocal de fou. T'as le dégénéré, frère. Et le pire, hein, le pire, c'est qu'il l'a vraiment mis, je suis sûr. Déjà. Attends. Déjà, qui met Bailan comme ça en fond d'écran? J'ai pété un câble. Déjà, t'es déjà au courant que c'est un spécimen, le truc. Mais pas comme nous. Lui, c'est vraiment une créature. Ah, réveille-toi! C'est le moment! C'est ton moment! Faut que tu te lèves! C'est ta journée! Les objectifs, les nouveaux objectifs! Atteins tes rêves! Réveille-toi, c'est le moment! Réveille-toi! En vrai, banger. C'est un banger. J'ai été aigri au début, mais en vrai... Pas tout le temps, tu vois. De temps en temps, tu la mets. En vrai, c'est un banger. Le réveil de Grimjo. Vas-y, lui.
Hey Grimjo, c'est sûr que tu te branles sur des fanfictions de Bakugo et Izuku, frère. Allez, c'est mon MH. Hey, carrément, moi là, je vois sonnerie Totally Spice, mais là ! Mais là ! Enlève MH. Banger celui-là. Préparez pour aller à l'école, car si tu dors, ta vie dort. Levez-vous, levez-vous, levez-vous à 4. Levez-vous, levez-vous, levez-vous à 4. Ah, elle est trop courte. Elle est trop courte. Comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Par contre, celle-là, je sens que c'est un banger. Le général Wong Mbutu. Ça y est frère, c'est bon, c'est bon. Mais il fallait mettre le moment où il parle chinois là. Il dit Shang-Chu, je sais pas si c'était ça non. Fallait le mettre. Caramelo et chocolate. La pulga est assez. La bédiate, elle est mi bébé. Et lui chito sur sur. Mais si, je pense qu'au lieu de jouer au foot, il aurait dû faire une carrière de chanteur. On n'a pas demandé le réveil de The Kairi et Norman, frère. Ou au moins que... C'est qui, là? Des choses à se reprocher? La transition FBI avec The Kairi, on enchaîne avec Spy Family et Anya, elle est atroce. On se sent pas, mais avec ça, on se réveille pas. Toi, ça se voit, t'es le cancre de la classe. Tu te réveilles avec ça, t'es forcément le cancre de la classe. T'es forcément le trisomique que tu penses être. T'es un fou furieux. Le réveil des AFC. Ah, la communauté de Femimars. Ils se réveillent avec quoi? J'aimerais savoir, moi. Oh mais qui voilà? Les AFC. Ils arrivent. Petit vicieux et très malin, malicieux du soir au matin, ambitieux, habile de nos mains, ingénieux, nous sommes les gobelins, nous sommes les gobelins, nous sommes les gobelins. Moi je demande à ce que les... Je vais faire une demande, je vais faire une lettre présidentielle, parce que ouais, je suis président de la communauté de Chiron. Je vais faire une lettre pour demander aux AFC de mettre cette musique en hymne national. Alors celle-là, je l'ai, mais j'utilise quand on m'appelle, quand on me téléphone, pas pour me réveiller, c'est quand on m'appelle. Ah ouais! Ah ouais! Gets got tension! Ah, banger, en vrai, petit banger. En vrai, en réveil, ça va, c'est pas mal en vrai. On a une autre. En vrai, trop tapine. Banger, One Piece opening, oui, mais en réveil, ah! Arrive, non? On a tout ton temps, frérot, on a tout ton temps. T'inquiète pas, hein. Voilà. On est là pour toi. Attends, mais c'est activé l'alarme là. Hein. Le son est activé, hein. Je tiens à dire que moi, de mon côté, le son est activé. En vrai, masterclass, hein. Mais j'attends peut-être que ça apparaître au bout d'un moment. Pas vraiment, masterclass, hein. Après, ma question, c'est. Est-ce que tu t'es déjà réveillé une fois grâce à ton téléphone? Quoi, celle-là? Ah ouais, non, mais tu... Des jutsu, carrément. Ok, c'est banger, tout ça. Et après, vous faites quoi de la journée? Vous restez assis dans une chaise et vous écrivez ce qui est écrit au tableau, en fait. Genre, tu te crois pour Naruto Uzumaki, mais tu fais quoi, toi? C'est donc ça, l'esprit, Naruto? Tatsuhiko. Hey, frérot, réveille-toi, c'est le matin, là. Debout. Tu vas louper ton bus. Réveille-toi, ou t'es gay. En vrai, elle est banger! Tu sais, on se dit, ouais, le mec il chuchote, mais la vérité, le chuchoter, c'est pire que crier pour te réveiller, genre. Les chuchotements, c'est angoissant, ça perturbe. Dans le cerveau, ça c'est bizarre. Avant, c'était ça ma sonnerie. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Tu es mort dans ton sommeil, Didier. Je suis mort? Mmh. Ah non, mais moi j'aime trop la vie, hein. Je veux retourner sur Terre. Non, mais tu peux pas te réveiller avec ça. Tu te réveilles avec une vidéo YouTube, un sketch. Je vais péter un câble.
Tu retourneras, mais sous la forme d'une poule. Hein? Une poule? Mmh. Bah d'accord. À partir du moment où je peux refouler le sol et puis retourner près de ma maison. Très bien. Mais va se faire grêle. Mais... Salut, c'est toi la nouvelle poule? Alors, comment s'est passée ta journée? Pas mal, mais j'ai un truc bizarre dans le ventre. Comme si j'allais exploser. Mais non, détends-toi. Tout ça est normal, tu vas juste pondre un œuf. Ah mais c'est génial! Moi qui n'avais jamais connu les joies de la maternité. Je crois qu'il y a quelque chose qui arrive. Oh génial, un œuf! Waouh là, oh je crois qu'il y en a un troisième qui arrive. Oh, wow. Putain, mais réveille-toi, connard! T'es en train de chier dans le lit! Excellent! Et à la chute, elle est exceptionnelle! Alors pour un réveil, ça pue totalement la merde! Mais la vidéo, elle est exceptionnelle! Ceci dit, moi, une fois, vraiment, j'ai eu chaud sa mère. Hein. En fait, j'avais tellement envie de pisser. Vous avez vu que moi, des fois, je bois énormément d'eau. Vous savez, avec mes bidons là, mes potions à 200 PV, frère. Et du coup, je rêvais que je pissais. Genre en mode, j'ai rêvé des toilettes. Genre des toilettes. Ça commençait à avoir envie de pisser. Et heureusement, j'ai eu directement le réflexe, frère, de me réveiller. Je l'ai senti, genre, je me suis réveillé direct, instant. Tu vois, j'allais pisser dans mon lit, frère, genre à 19 ans, un truc comme ça. J'ai pété un câble, frère. Du coup, je comprends, en fait, c'est que ça m'a fait rire. Mais je pense que je suis pas le seul. Je pense que ça s'est déjà arrivé des trucs ou liés à la merde ou à la. Plus à la pisse, je pense. Pareil, mais je me suis. Pareil, mais je me suis pas réveillé. Ouais, force, hein. Notre avis que j'utilise souvent. Ah ouais. Ah, on dirait mon daron. C'est mon daron qui m'a fait connaître ça. Tom Sawyer. Liberté. T'as l'époque Tom Sawyer. Qui a vu Tom Sawyer? Vraiment c'était de la frappe. Quand il était petit quoi. Parce qu'après j'avoue que regarder maintenant, je pense que c'est un peu passé. Non, on l'a déjà eu celle-là. Ouais, on l'a déjà eu celle-là. On fera peut-être une partie 2. En vrai, est-ce que vous avez kiffé le chat? En vrai, moi j'ai trouvé ça hyper drôle en vrai. On a eu des pépites. J'ai trouvé ça méga drôle. Donc potentiellement, si vous avez kiffé sur YouTube, si vous avez kiffé sur YouTube, bah vous mettez le pouce bleu, vous mettez les commentaires si vous voulez une partie 2 et on fera potentiellement une partie 2 de tout ça. Mais en tout cas, c'était banger de fou. Bref, pouce bleu, commentaire, abonnement, à la prochaine YouTube, ciao.